MoreVibesTV.com. TV. Tout d'abord, ouais, je vous remercie, un big up pour vous parce que vous faites un bon travail. Merci à toute l'équipe Hit Local, d'accord, on se connaît, parce que la première année des Hit Local, j'ai fait partie des gagnants et on a joué le jeu, c'était aussi très difficile pour eux, donc j'ai toujours soutenu et je suis content de voir aujourd'hui que ça donne ce résultat. J'ai gagné, on a gagné. Mes fans, je vous remercie pour tous vos votes. Je remercie ma famille, ma mère, mes deux sœurs et toute ma famille. Play Studio, c'est aussi des réalisateurs comme Play Studio, Will Vibes. Je cite Marik, c'est des personnes avec qui je travaille. Au Réveil Prod, voilà, c'est ma prod que j'ai montée avec mon associé Lovely. Que je remercie mes amis Vladimir, Wiwu et je citerai
J'aurais aimé citer tous les autres. Je pense aussi à mon ami Loco. Rendez-vous peut-être à l'année prochaine. Voilà, avec de nouveaux titres. J'ai un nouveau titre en rotation aussi avec Dali. Brûler Calories. J'ai sorti un son qui s'appelle Olé Olé avec DJ Guigui. C'est un DJ montant qui travaille, qui est motivé. Et c'est surtout avec ce genre de personnes que je travaille. De la catégorie album est Kalash. Cette catégorie hip-hop et rap féminin, je vous demande d'applaudir très très fort. Le tien. Et ben, le fâché, le fâché, le fâché. Ben, je tiens à remercier tout mon public qui a voté pour moi, toutes les personnes présentes qui ont voté pour moi. C'est une catégorie où bon, ben, le rap, le trap, bon, ben, la médiatisation, tout ça, c'est plus compliqué, mais on se bat quand même. Et je remercie ma mère, toute ma famille qui est présente, parce que je pense pas qu'il y ait un artiste qui ait plus de membres de sa famille présente ici ce soir que moi. Coucou tout le monde, ben, merci au Hit Local, déjà merci à cette association de créer cet événement pour nous, parce que ça nous permet de pouvoir tous être réunis et puis de se sentir un peu au Energy Music Awards, mais façon anti. Donc déjà merci pour ça. Ensuite moi je voudrais vraiment remercier ma production parce qu'ils me suivent depuis 5 ans, ils m'ont jamais lâché, donc merci à Emblematic Studio et donc à Matic. Et je veux surtout remercier ma mère et manager. Et mon meilleur ami, parce que ce sont deux personnes sans qui la musique, ça ne pourrait pas être complet. Et donc voilà. Et puis je remercie surtout toute ma famille, parce que ma famille s'est déplacée pour moi ce soir. Ils sont au moins 15 et moi je suis contente. Donc voilà, j'ai gagné cette année. Ça fait plaisir parce que faut travailler. Donc je travaille. Et comme on dit, il n'y a que le travail qui paie. Et cette année, j'ai travaillé. Et voilà, ça a payé. Donc mon cœur bat vite parce que j'ai tout pété. Est-ce que vous êtes prêts? On vous met des calories? Maman, la vie! Toujours en bas, en bas, en bas, du ciel là! Yeah, je vous vois comme ça là! Et pour trouver un possible, et pour pouvoir la garder, garder, ça va nous sentir. Que la vie nous va faire complexe, tout le monde! Quand la vie est tous les calories! Vous commencez à marcher sur vos pieds. Mais tout, on essaye. On espère que ça va encore durer longtemps. On travaille pour. Je voudrais faire un gros big up, un gros merci à tous les artistes qui sont présents, aussi les partenaires, parce que c'est important, c'est grâce à vous qu'on arrive à faire ça. Et surtout le public qui nous suit depuis 5 ans et qui vote. Merci beaucoup en tout cas. Aïe aïe aïe, donc le gagnant de la catégorie hip-hop et rap masculin, Kalash.
I think I like it. We get excited, baby, don't fight it. You get the night, yeah, I like it. No compromising, we keep on fighting. Just empathizing, cause I like it.
Déjà, un grand merci à tout le monde qui est là ce soir. Un grand respect déjà à tous les artistes. C'était déjà une grande victoire pour moi d'être présent ce soir dans les Global Awards parmi des artistes que l'on écoute depuis tout petit. Depuis tout petit, je les écoute. Et là, en plus que ça, avant monsieur Kamal Fleury qui m'a donné le trophée, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté, merci les Global Awards. Donc, ben voilà. Première impression, déjà, j'aimerais dire que c'est un très bon concept, le fait de voir les Dom-Tom. On est très loin, on est notamment La Réunion, on est très loin de la France, tout ça. Et de voir nous tous réunis comme ça, se donner la force, c'est un super concept et j'apprécie vraiment. Maintenant, être là parmi tous ces artistes, c'est un grand pas pour moi. Je suis tout seul chez moi, tranquille. J'aurais jamais imaginé d'arriver à là, quoi. Et donc, un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Franchement, grand merci. Grâce à vous, je vis un rêve. Et merci au Hit Local Awards. Super accueil, super public. Vous êtes des ouf et miam azat à la folie. Big up, mon Vibes TV. À bientôt. Non, plus que ça. All right. Non, mais regardez, parce que... Regardez ça, attends. Viens dans la lumière, François. Viens dans la lumière. Viens dans la lumière. La tenue est faite par Stéphane. Voilà. On est pour les frères, on est carrément les frères. Voilà, c'est un merci, ça fait plaisir. Un big up au local, c'est la troisième année qu'on nous invite. Cette année, on a eu l'honneur de pouvoir faire les tenues pour les danseuses. Donc, on est une petite marque de vêtements, on arrive de Guadeloupe, on essaye de faire nos petits chemins tranquillement. On travaille en famille, c'est la Stéphane Family, vous pouvez nous trouver sur internet ou sur la page de Hit Local. Voilà. Donc, les gagnants de la catégorie hip-hop, rap, collaboration, Gino et Pandemic. Yeah. Eh bien, big up pour tous à y voter pour nous. Pour ce soir, big respect au Hit Local. C'est pour qui prions nous. MJ, Rapondi, Gino, Yvonne de Mike. En passant, c'est le monde qui. Enfin, c'est tout le monde qui connaît Gino et Yvonne de Mike. Mais c'est les amis de face à moi. C'est six frères là qui l'ont. On va pas venir dire. C'est le six frères qui l'ont. Eh bien, big respect par le tout ça est pour l'exemple. Tout ça est pour le 2009. Eh bien, Gino, Rapondet, Eva Kachena. Voyons big force aussi bas, au devant. Collègue comme un lien, Manégué Lewis, au devant. Parce qu'elle veut ta nation, big collaboration aussi. Elle veut nous capter, nous, on va faire changer, toujours qu'il y a danger. Elle va là toujours avec nous, ce là. À partir de mes deux ans. Yo, j'ai toujours vu la guerre dans ta vie, de nos tonneaux, ça vous pas. Il y a toujours des histoires, des flèches, des balistiques et des pas. Avec le fier, il y a des progrès, il y a des contrats, il y a des pas. Avec le tout-puissant, ça change pas mes contacts. Je vais changer à mes méthodes de taf, je reste au lac. Avec mes gars, je reste bien dans des tours à flé comme le lac. Je suis toujours anti-air, toujours anti-police, et toujours anti-bas. C'est juste le truc de mettre la voix de même ça. Beaucoup de niveaux de l'être, ma gueule, c'est minuscule, tu l'entends. Y'a des tensions et y'a des gants, c'est vraiment chaud, mais là-bas. Fais attention, le diable t'accorde ton travail. Donc, méfie-toi, tous ces souvenirs, les gens se dressent ta patte. Tu lances une adoche, tes jours, c'est pas la même la patate. Nous, on vient de la cité, on fait pas de genre aristocrate. Et à l'école, le ministère nous prend tout pour les recoplats. Pas les moines malcom, des nécessaires, y'a rien à foutre de ton frère. Avec tout ce que tu mets dans le cœur, ça, c'est pas de l'évent. L'équipe et le budget n'ont fini les forts. Place et les paramètres, l'enveloppe. À monsieur Grégory Roger. Le grand gagnant, Reggie, de cette année, est. Amirati. Oui.
Que dire, vraiment un peu oui, ça me fait plaisir parce qu'il faut savoir que bon, nous on fait la musique, c'est vrai que c'est dans un public pour donner la force, pour transcender, passer des messages, mais il faut savoir aussi que nous, artistes, musiciens, quand on est derrière nos téléviseurs, nos écrans, vous nous faites plaisir aussi en tant que sportif. Et ça donne aussi force pour écrire, parce que ça va permettre aussi de savoir que nous pas faire mes efforts. Nous pas faire mes efforts. Une petite locale, comme je disais tout à l'heure à une journaliste, pour moi ça représente, c'est pas juste une cérémonie comme toutes les cérémonies, parce qu'il y a beaucoup de cérémonies, mais surtout c'est une cérémonie créée par des jeunes entrepreneurs, des jeunes positifs, des jeunes actifs surtout. Et donc je pense que c'est surtout ça le message, quoi. C'est-à-dire que les jeunes peuvent entreprendre de belles choses et on se doit d'être là, quoi. Et surtout, fait par nous, jeunes de la communauté, pour les jeunes de la communauté, et en espérant que, voilà, que ça va se pérenniser et que je leur souhaite des années, que ça devienne encore plus big, quoi. Donc c'est quelque chose de très important pour les artistes aussi, comme nous, mais aussi les artistes, les jeunes talents, ça nous permet de les mettre en exergue aussi. C'est très important, donc je pense que c'est important de récompenser les artistes pour le boulot qu'ils fournissent durant toute l'année. C'est important, quoi. More vibes, some of them are salty. Carmas Black and Heavy. I'm about to say live and direct, so more vibes. Big up. Come on, 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 come on
La petite flûte, et on est avec au petit pain d'épices. Quel est le gagnant de la catégorie révélation masculine? Le gagnant de la catégorie révélation masculine est Mister Hansen. Il a fait des millions de vues et il n'y a pas de clip. Non, ça. Mais ce soir, comme ça, ça n'a pas marché, donc on va l'exter. Hein. Mon cœur va vite. Ah, on va la son chat pour tout péter. Bon, alors le gagnant de la catégorie soul traditionnelle ou la gagnante? Alors, j'ai le plaisir d'annoncer Nico. Nico, à Pékin. Ils savent tout faire, ils savent vous faire bouger et ils savent vous faire réfléchir avec des colchas. Merci à être local. Kili. Voilà. Bingo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Demandez-moi de me sauter. Avec. Bingo, passe la liste. Kili, peut-être. Et non, sérieusement, merci, ça fait plaisir de voir que on peut faire de tout. Et tout peut fonctionner. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont voté pour moi. Mon manager, Jima, tous ceux qui font le taf, les Diti, avec les cœurs, un peu tout le monde quoi. APK et puis. Voilà. L'excellence de la Caraïbe, encore une fois. La gagnante de la catégorie révélation féminine. Bambi. Malheureusement, c'est la première fois qu'elle ne vient pas. Mais malheureusement, elle avait une prestation, elle n'a pas pu être présente. Donc on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de love à Bambi qui a gagné ce prix et qui l'a mérité. Tu te rappelles de notre photo? T'aimes bien les Tocanoises? Voilà. Donc tu vas m'accompagner. On a un bon remettant ou pas? Ouais. Voilà. Donc. Bon, c'est pas bien, on va l'aider. Hein. Attends, viens, on va se rapprocher. Viens. On va se rapprocher tranquillement. T'inquiète, il sait lire. Vous gagnez mon pote comme ça. Il sait lire même. Tu veux pas me Les grands gagnants sont. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et voilà. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Tiens, mon pote a Elisabeth Lomé. Ta récompense, voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu veux donner la gloire aussi? Il est juste là. Vous avez le droit à un bisou.
Et dis ça pour celui qui m'aime. Bah, quoi dire? Est-ce que je fais semblant de pleurer ou... Qu'est-ce qu'il est mignon? Non, franchement, merci beaucoup. Merci, vraiment merci à la Boeing locale. Merci à l'équipe, merci à Mini. On se bat pour vous donner du son tous les jours. Parce qu'il y a plein d'artistes ici. C'est vrai que le concept du zouk, de la Caraïbe, c'est important. On a tendance à savoir se critiquer les entiers. Mais quand il faut donner la force, on n'est pas très souvent ensemble. Et là, franchement, on avait plein de choses. Ça passe ou ça passe? Pas comme ça, tranquille. Bonjour. Bonjour. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît, Willem. Je m'appelle Willem, je fais des vidéos sur Internet. Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec tous les artistes que j'admire. Et merci. Merci avec le calme. Comment? C'est filmé là, donc. Chaque détail compte. Chaque détail compte. Je l'ai tué. Merci. Merci beaucoup pour le fait de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi. Merci. Donc, en plus, il a sorti une dernière vidéo là récemment. Et c'est vraiment quelqu'un qui prend position et qui ne se cache pas. Donc, c'est important. Un gros big up à lui. Donc, le gagnant de la catégorie collaboration Dancehall, Admiralty. Admiralty et Jana, s'il vous plaît, du bruit. Jana, bien sûr. Bah oui, la bise quand même. Voilà vos prix. Jana, ton prix. Merci. Jana, comment tu te sens à la remise de ce prix? Eh bien, vraiment, ça fait vraiment plaisir parce que première participation, premier prix. J'espère que ça va continuer comme ça. Vraiment super. Comme il disait tout à l'heure, mais c'est précieux sur les vignes, comme il en a déjà trop. Je pense que je vais prendre celui-ci aussi. Ok, je vais prendre les deux et je pars avec à la maison. Vraiment, merci à toutes les personnes qui ont voté. Merci au Hit Local pour l'invitation. Et puis vraiment, je suis trop contente. Il y a tellement de choses qu'on dit, on n'y trouve pas les mots. Où explique où à quel point il y a ma route. Il y a l'idée de l'or. L'organisation de Hit Local pour m'avoir invité ce soir. C'est un grand honneur.
je trouve que c'est une belle action de récompenser nos artistes, simplement. Faites du bruit pour Morgane, Thérésie, nous avons trois de beaucoup, la lecture de plus de France. Alors, voici le trophée. Et voici la catégorie, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Le trophée d'honneur qui ira à... Un monsieur qui a déjà été pas mal récompensé, monsieur Admirati. Le trophée d'honneur des Historical Awards 2017 revient à Admirati. Admirati qui tape, qui tape, qui tape dur. Et du bruit, du bruit, du bruit pour Admirat. Faites-le, 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 faites-le. Alright. Voilà, Admirat. Et là, ça va pas arrêter qu'il y a dans les embouteillages. Vraiment, je suis vraiment... J'ai pas de mots, je suis vraiment touché, quoi. Je m'attendais pas à ça, réellement. Et ça me fait d'autant plus plaisir que ce soit mon ami Claudicia qui... J'ai envie de dire ça. Claudicia qui a parlé tellement bien, que ça m'a touché, ça m'a rentré en fond à cœur. C'est Claudie qui était venue lors de l'éponymie de l'école Christy Campbell en Guadeloupe, qui a représenté, qui avait lu ma biographie, qui avait parlé avec ses mots, qui avait touché tout le monde, qui a tout le monde de ce coulant ZIO. Et c'est vrai que Claudie, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son engagement, que ce soit pour nous, Caribéens, mais surtout pour l'Afrique et toute sa diaspora. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Donc c'est, je ne sais pas qui a choisi Claudie, mais ça me touche vraiment. Vraiment, parce que c'est un ami. Et aujourd'hui, je suis... vraiment content d'être là, quoi. Mais vraiment, vraiment. Pas parce que je gagne des prix, mais surtout que ce que ça représente. Et je serai d'autant plus fier de représenter tout la Caraïbe, l'Afrique, la diaspora et tous ceux qui me suivent depuis plus de 20 ans. À Bercy, c'est ce qui me tient le plus à cœur, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment fier. Vous me touchez vraiment beaucoup, hein, vraiment. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a quelque chose que je suis obligé de te demander. Parce qu'il y a l'homme de scène, mais il y a aussi, Admiral, l'homme engagé. On t'a vu plusieurs fois dans des actions, aller auprès des jeunes, te rassembler sous la pluie et ne pas avoir peur d'aller avec la population manifester pour appeler, pour faire des appels au calme, pour dire stop à la violence. Pour toi, c'est important. Ben, pour moi, c'est essentiel. Parce que, comme tout le monde le sait, moi j'ai grandi sur le ghetto Poissard. Et donc, ce qui m'a amené à la musique, c'est vraiment, j'avais envie de dire des choses. Ce que je pensais, redonner l'image de mon quartier. Et donc, c'est toujours ce qui m'a animé au plus profond de moi quand je fais de la musique. C'est ces messages-là que j'ai toujours passé. Tout en changeant l'approche pour toucher le maximum de monde, parce que le plus important c'est de toucher le maximum de gens, sinon le message sert à rien finalement. Donc pour moi c'est le plus important. Donc on chante, mais aussi dans l'action aussi, parce que c'est important. Pour tous nos jeunes qui nous voient comme des exemples, moi mon exemple a toujours été mon père. Tu vois, mon exemple a toujours été mon père. On sait que dans nos sociétés il y a beaucoup de familles monoparentales, donc ni en l'eau, qui battait les papas, mais exemple à eux, c'était maman et eux. La maman faisait les deux rôles. Et donc, avoir des exemples palpables, c'est-à-dire des gens qui... C'est vrai que j'ai même Michael Jordan, j'ai même Michael Jackson, mais je ne pouvais pas rencontrer Michael Jackson et Michael Jordan dans la rue, en train de marcher en Guadeloupe. Et ça, c'est très important de savoir qu'on a des gens proches de nous, du même pays. On peut les rencontrer dans la rue, on partit de cette rue-là, on peut les garder. Et ça c'est réel. Ça c'est réel, ça semble être dans une réelle, réelle force. Il y a encore un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un côté pas très loin. Et qu'il y a encore un niveau là, il y a encore dit bon, ça veut dire que tout était possible. Mais réel. Tout est possible. Tout est possible.
Local. Merci pour le soutien, merci pour la force. Grâce à vous, comme je dirais tout le temps, on a la proximité avec nos fans et les gens qui nous donnent vraiment la force. Au moins aujourd'hui, je sais à peu près qui me donne la force. Et franchement, les jeunes comme nous, franchement, battez-vous, continuez à vous battre. Ça fait déjà 5 ans, j'espère encore et encore des années. Plein de bisous. Je veux savoir. Ben, c'était une soirée super géniale. Les artistes étaient super, voilà, le public même, ils applaudissaient, voilà, c'était vivant, tout le monde était content, et puis il y a eu de beaux messages, et voilà, je suis enchanté. Moi j'ai fait ce trajet, je suis sorti de Suisse, je suis venu jusqu'ici, et je ne regrette pas. Voilà. Right, ça c'est Bad Hit Local, c'est validé, JMAX Lyrics. Alright. Je tenais à féliciter les organisateurs des Hit Local Awards. Franchement, j'ai passé une superbe soirée. Il y avait beaucoup d'artistes que je connais, que je côtoie maintenant, qui sont devenus mes amis. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de les revoir. Et j'ai été super heureuse d'être nominée aussi cette année. Bravo à tous les artistes qui ont gagné. Et je voulais juste faire un petit coucou à Monvebs TV d'ailleurs, qui à chaque fois que je sors un son, sont à l'affût. Donc franchement, merci pour tout, big up pour tout. Et merci à mes fans encore d'avoir voté pour moi. Et voilà, je vous fais un bisou, puis je vous dis à l'année prochaine. Bisous. Oui, c'est sympa, les hits locales, c'est toujours un événement qu'il ne faut pas louper. Bon, malheureusement, l'année dernière, je n'ai pas pu être là. Cette année, je suis là, donc c'est un honneur. Il y a plein d'artistes, les gens ils viennent nous rencontrer. Je ne sais pas, quoi. C'est super bien pensé, quoi, en fait. Voilà. Voilà. Bonjour, je m'appelle Willem, donc je fais des vidéos sur Internet. Donc c'est un grand honneur aujourd'hui d'être invité à cet événement qui est réservé aux artistes musicaux. Donc vraiment, ça me fait super plaisir et encore merci à Hit Local de m'avoir invité. Et voilà, je présente ma sœur, Ashley. Voilà, je suis sa sœur, je m'appelle Ashley et je fais aussi des vidéos sur Internet, sur YouTube plus précisément. Depuis très peu. Voilà, depuis très peu et c'est un honneur d'être ici, vraiment, je suis ravie. Voilà. Elle est ravie. Ah oui, big up à More Vibes TV, voilà, big up à eux. Voilà, go big up. Alors, big up à More Vibes TV, je m'appelle Ashley, je suis youtubeuse, une jeune youtubeuse. Voilà, je suis guadeloupéenne, je suis ravie d'être ici et de soutenir nos artistes. Pour moi, c'est important, donc c'est un honneur d'être invitée. Voilà. Eh bien, j'ai passé une très belle soirée. C'était un plaisir pour moi d'être là ce soir. J'étais très contente d'être invitée. C'est vrai que c'est une belle initiative de récompenser nos artistes et de les encourager à aller plus loin. Et puis un gros big up à More Vibes TV. Après tout,